Manamana. 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 Psychose. Oui, j'aimais bien ça. Ouais. Un peu comme ça. Là, en fait, c'est tic-tac, tic-tac, mais bon, c'est qu'un réveil. Hein. Ah oui, là, voilà la suite tic-tac, tic-tac, tu vois. Alors, vraiment, il fait appel au démineur. Tic-tac, puis alors, quand l'horloge fait dong-dong, lui, ça... Enfin, c'est comme ça, quoi. Ouais, tu vois, on pouvait faire une pin-up comme ça sans qu'il nous fasse la moindre réflexion. Ça s'imposait dans le gag, donc on le faisait, quoi, voilà. Ça, j'ai bien aimé. Bien aimé le faire, celui-là. Avec le lion. J'ai pas honte, hein, quand je revois ces planches, hein. Ouais. Alors, on prend cet exemple-là, tu vois, ça c'est un dessin que j'ai fait pour un gadget. Ben, c'est pas difficile, à l'époque, il me téléphonait en me disant, bon ben, c'est toi qui vas faire la couverture du nouveau gadget. On va t'envoyer soit une photo, soit un exemplaire, un modèle. À partir de ça, tu fais ce que tu veux. Et puis, voilà ce qu'on a fait. Moi, j'ai fait un dessin comme ça. C'est moi qui ai eu l'idée, mais il n'y a pas d'idée. C'est tout bête, quoi. J'en ai fait quelques-unes, hein, à l'époque. Là, je n'ai plus le dessin, mais c'est pareil. Ils m'ont envoyé un bout de plastique à l'image de ce gadget. Et puis, moi, je leur ai fait cette couverture. C'était très simple à l'époque. Hein. Ils m'envoyaient le bout de plastique. Et puis, ils me disaient, tiens, ben, dans 3 semaines, on veut ça. Voilà. Alors, je leur ramenais ça au bout d'une semaine. Je trouvais ça très bien. D'abord, j'avais des enfants qui étaient en âge de jouer avec. Donc, ils étaient contents, les mômes. Et puis, il faut dire aussi que c'était bien payé. Phenomena.